قبل بدء هذا البرنامج كان على امرأة ما أن تختار بين الاستثمار في الأرض أو أن تدفع تكاليف تدريس أبنائها وبناتها. أما الآن يمكن لها أن تستثمر في عائلتها ومستقبلها أيضا، ولن يتحتم عليها أن تختار بينهما. Nous célébrons aujourd'hui la fin du compact 2 du Millennium Challenge Account Maroc. Alhamdoulilah, nous avons atteint tous les objectifs du compact et malgré bien sûr énormément de défis qui nous ont précédés maintenant, notamment le Covid, notamment les perturbations des circuits d'importation des équipements en Europe, la fluctuation du dollar. Mais avec l'appui, l'encouragement du Conseil d'orientation stratégique, avec la présidence de Monsieur le chef de gouvernement, tous les autres ministères, le secteur privé, nous avons pu tenir la promesse. Ce programme bénéficie à peu près 800 000 bénéficiaires, que ce soit au niveau du développement de l'éducation, la formation et l'emploi, ou alors au niveau de la productivité de du foncier, ce qui permet de créer davantage d'emplois à travers l'investissement. C'est un investissement de 460 millions de dollars dans deux projets, éducation pour l'employabilité et productivité foncière. Et ce projet va toucher plus que 800 000 Marocains et Marocaines. Donc on est très très fiers de notre partenariat avec le gouvernement marocain et très très fiers des résultats qu'on a vus à travers notre travail ensemble. Le total d'investissement, c'était plus de 1 milliard de dollars. Et le Maroc était le plus grand pays bénéficiaire de MCC et un de nos premiers partenaires à MCC aussi. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.